Ils m'ont pré-commencé la vidéo en disant qu'on est belles sœurs. Oh my god! Si nos parents sont en couple, sœurs de parenté. Fait que, oh my god, scandale, moi et Claudia, on est demi-sœurs. Oui! Belle-sœur, c'est fou, hein? Oh my god! C'est fou. Pas de belle-sœur, demi-sœur. Bon, on est belles, puis on est sœurs. Fait qu'on est belles-sœurs. Ok, la gang, vous devinerez jamais avec qui je suis aujourd'hui. Genre, vous l'avez même pas vu dans miniature. Je suis avec. Allô! Contente de faire une vidéo avec toi, ça faisait vraiment longtemps que les gens avec vous, en fait, vous me demandez cette vidéo avec Claudie. Merci. Fait que là, voici la voix-là. Allô? Je pense que ça va être fucking nice parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on se rend pas pour de la merde puis on s'est dit, nous, on a des belles relations. Ben, moi, j'ai plus de relations, perso, mais. Ouais. Fait on s'est dit, on va vous aider dans vos problèmes à vous. Parce qu'on est sans tabou puis qu'on est cru, je pense. Ouais. J'ai demandé sur Instagram de me dire vos problèmes, soit de couple ou soit au niveau sexuel, pourraient. Wouh! J'ai eu beaucoup plus. Beaucoup plus de questions au niveau sexuel, fait que... Ouais, ben c'est évident, là, mon dieu. Let's go la gang, on est prêts à jouer à Dr. Love, Dr. Sex. Ok, c'est Guimauve! À quel point il est cute, genre? Okay. Dans les commentaires, c'est ouais, c'est ça. Et surtout, abonnez-vous à Cass, là, quasiment en 100 000 abonnés! Je pense jamais à dire, mais... Maurice, s'il vous plaît! Hey, c'est incroyable! Salut! Je suis capable d'avoir un orgasme seul, mais j'en ai jamais eu en relation sexuelle avec mes anciennes relations et même celles du moment. Je suis super heureuse avec mon chum en ce moment et il est super bon. Je crois que peut-être je n'arrive pas à m'ouvrir dans un sens à lui lors du rapport sexuel et d'être 100% ouverte à l'orgasme en sa présence. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que elle est capable d'avoir des orgasmes ouais, seuls, mais pas en relation. Ben moi, je pense que c'est normal quand t'es une femme, parce que c'est beaucoup plus difficile pour un homme de trouver ton point G, de trouver 100%. C'est dur de se laisser aller là aussi là. Tu sais, les premières fois quand tu couches avec une personne, on dirait que tu mets beaucoup de pression pis t'es vraiment plus dans ta tête que sur le moment. Fait que je peux comprendre. J'aurais envie de dire à la fille comme juste t'as le droit genre de prendre ton temps. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui se mettent vraiment de pression par rapport au nombre de temps puis là sont comme oh là ça fait mettons 20 minutes qu'ils me mangent là, c'est trop long là que je vais faker l'orgasme. Mais genre t'sais, le gars il enjoy là, il vit sa best life dans ton poussi là. Si t'es pour te faire manger pendant 40 minutes là, laisse-toi faire. Ah ben oui, un beau cadeau là. Attends aussi. Gêne-toi pas pour lui dire ce qui te fait du bien. Ouais, c'est dire, vrai, si tu t'arrêtes à manger, là, pis t'es de même, c'est pas le fun. Ben, ça arrive, on va se dire. Tu lui dis, tu sais, tu déplaces sa tête tranquillement, pas vite. T'arrêtes de te manger le genou. C'est ouais, c'est ça. Puis il y en a aussi des gars qui sont super agressifs ça, envers le vagin. Ben, en fait, c'est qu'il y a des filles qui aiment ça aussi comme ça, tu sais. Mais chaque personne est tellement différente. Et je pense que, justement, moi, quand j'étais jeune, j'avais peut-être plus de la misère à justement exprimer qu'est-ce que je veux. Oh, mon mais Dieu, moi aussi, faut pas être gêné. Faut pas être gêné. Le conseil, c'est de te laisser aller et surtout de ne pas te gêner pour dire tes besoins. Puis si tu viens pas aussi, c'est pas grave. Hein. Non, hey, mon Dieu, tellement pas, là, ça va arriver. Mais ben, avoue, c'est pas ça t'arrive-tu. Moi, ça m'arrive pour elle, des fois, je suis comme. Ben, oui. J'aime full ça, j'aime job. Ouais. Mais je le sais, je vais pas. Ben oui! Je fais pas l'orgasme, je l'ai dit au gars, je suis comme, dude, j'ai vraiment du plaisir, mais comme, on y arrivera pas à soi. Ouais, non, pis tu sais, de toute façon, ça nous est tous déjà arrivé de faker, là. Petit saut, en tout cas, moi, ça m'est ça t'est déjà arrivé? Non! What the fuck, t'es sûr? Mais je pense que je suis un peu comme la fille, je me sentais mal, pis là, ouais, je suis comme, tu sais, à un moment donné, on va faire terminer la relation. Ouais. Je comprends, mais on dirait que moi, je suis comme, tu sais, c'est pas la fin du monde que j'aime pas. Je suis juste genre, ben. Totalement d'accord si, avec mettons, toi. Si je sens que je vais pas venir, je vais juste, au pire, pogner le gars, pis qu'on fasse autre chose. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai jamais faké l'orgasme. Je suis quand même fière. Très fière pour vrai. C'est vraiment une fierté. C'est vraiment ça me surprend là, c'est. Je me sens quasiment mal. Écrivez dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà faké l'orgasme? C'est sûr, je vais le demander. C'est sûr, s'il vous plaît. Team Claudie, Team Cassandra. T'as-tu vu à quel point j'ai un calice de gros nez dans mes cheveux? Tu te brosses les cheveux? Ben non, j'ai pas brossé mes cheveux après. Je suis sortie de la douche, j'ai pas brossé mes cheveux, puis là je m'en rends compte à la caméra. Mon Dieu! Ils sont tout mêlés. Ouais! Comment tu fais pour pas te brosser? Ben je prends pas ma brosse puis je fais rien. Ben voyons, mais je comprends pas! Ça fait 2 ans que je suis avec mon chum et il m'a mangé 2 fois. Il dit qu'il déteste ça et que ça le turn pas on pantoute. Il n'a pas eu non plus de mauvaises expériences. J'ai même acheté du lubrifiant ou framboise pour voir s'il aimait juste pas le goût. Ah, oh, trop cute! It's cute! Oh! It's cute! Imagine être comme, hey là, mon vagin il va goûter la framboise aujourd'hui! Oh! Ben c'est quand même une belle initiative. Tellement! Ouais, vraiment. Mais tu sais, mettons, moi ma passion c'est pas sucer dans la vie. Non, non. Ben, mais je sais que les gars aiment ça. Fait que tu sais, moi mettons, ça va être pour faire plaisir. Puis je le fais pas tout le temps, je me respecte là-dedans. T'sais, quand j'ai envie de le faire, je pense pas, je pour 2 minutes, mettons. S'il aime pas ça, ça lui appartient. Mais si toi, tu en as réellement besoin dans ta vie sexuelle puis que tu te sens pas satisfaite à 150%, essaie de trouver des alternatives à ça. C'est que moi, on dirait que, mettons, je me mets à la peau de la, dans la peau de la fille, je me dirais... Oui, attends, je vais voter.
je me dirais que je me poserais des questions en fait à savoir si c'est mon corps le problème. Là, moi j'enverrais ça contre moi puis je me dirais OK, mais est-ce que c'est moi, tu sais, qui est pas correct? Est-ce que justement, tu sais, mon odeur, est-ce que c'est correct ou est-ce que si? Fait que je pense que ça serait vraiment comme de discuter avec le gars justement à savoir, tu sais, pourquoi. Mais c'est pas ça. Tellement important des discussions en couple, puis on ne dira jamais assez, la communication c'est la clé, mais réellement, même la communication au niveau sexuel. Tu sais, moi j'ai toujours dit que dans vie, dans ma tête à moi, un couple c'est sexe, amour, amitié. Puis si il t'en manque un peu, un des trois, ben il va finir par te manquer de quoi, puis c'est là que tu vas avoir envie, tu sais, peut-être de t'en aller, vraiment d'y en parler plus en profondeur, tu sais, mettons lui dire pourquoi tu t'aimes pas ça, est-ce que c'est à cause du goût justement, est-ce que c'est à cause de l'acte de le faire, sortir de ta langue, t'aimes pas ça, juste pour que tu puisses comprendre puis pour que tu te rassures là-dedans. Ouais, 100%. Clairement, on a tous des vagins différents, puis tu devrais pas te sentir mal de toi. Ah ben non, c'est le pire feeling, tu sais, après ça tu doutes de toi puis comme tu veux pas ça là. Regarde, on sait pas. Okay, faudrait que tu le demandes. Ouais, c'est ça. Ça va être ça toute la vidéo. Ouais, on donne tes conseils, mais il faut que vous y demandez. Ouais, c'est ça. Je suis hyper attirée par mon chum, autant physiquement qu'intellectuellement, mais je suis hyper gênée de faire les premiers pas au niveau sexuel, entreprendre l'acte. Je ne me fais pas confiance, mais pourtant j'ai une pas pire libido. Mon chum aussi, mais il aimerait que ça ne soit pas toujours lui qui entreprend le sexe, et je le comprends. Merci pour vos conseils. Si elle est gênée en présence de son chum, c'est peut-être que justement, il te fait beaucoup d'effets. Ça peut être une bonne chose, mais en même temps, est-ce que t'es réellement prête? Peut-être que c'est pas le cas, peut-être Mais moi, j'ai vraiment vécu ça. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, full. Okay. Ben, on dirait qu'il y avait une partie de moi, niveau sexualité, qui avait de la misère à se filer, genre. Okay. Tu sais, comme, tu sais, quand tu te sens belle, cette partie-là de toi, genre, que t'offres à quelqu'un, j'avais de la misère à être ça, même avec une personne que j'aime. Si, mettons, le gars est entrepreneur puis venait vers moi, j'étais capable de me laisser aller puis de me sentir bien puis dans mon corps puis de me sentir belle, mais j'avais de la misère à me faire confiance au point de comme moi être comme allô, tu sais, blablabla. Puis ça m'a vraiment longtemps comme fait de la peine, puis en ce moment j'essaie de justement changer ça. Puis moi, le seul conseil que je pourrais te donner, l'ayant vécu, ouais, c'est ça, tu vas être meilleure que moi là-dedans, là. C'est vrai, essaie vraiment de le faire, puis quand tu le fais, dis-toi à quel point que t'es belle puis à quel point que t'es désirante. Alors, essaie de te voir au travers des yeux du gars et non pas au travers de tes propres perceptions de toi-même. Moins de toute façon, un gars là, il va, c'est sûr qu'il te trouve belle, ben oui, 100%, puis comme, puis t'es belle, tu sais. Ouais, mais moi je comprends ça, tu sais. Ouais. C'est clair que peut-être pour moi c'est moins un big deal de me montrer ça dépend nue, comment t'es à l'aise avec ton corps aussi, là, exactement. Puis je pense que tout ça part de ton corps à toi, comme t'as dit. Oui, ça part de ton corps, mais ça part vraiment de ta perception de toi-même, tu sais. Et je pense que c'est aussi de juste y aller progressivement, tu sais, de pas se dire comme, OK, là, j'y vais all-in. Ouais, de pas comme, se dire, je vais y faire un striptease, non. Mais comme chaque petite réussite, petite victoire que t'es comme, ah, ben, pour moi, tu sais, j'ai l'impression que je me suis laissée plus aller que d'habitude. On dirait, après ça, tu prends vraiment confiance, puis là, là, t'es comme, hey, ça va, genre, c'est chill. J'ai déjà essayé de faire ça, moi, un striptease d'un gars. Hein. Ah oui? Oh, non. Pas vrai. Pourquoi ça me donne pas non, mais pourquoi? Non, mais c'est ça! Je l'ai! Oh, c'est gênant! C'est vrai? Ouais, ouais, ouais! J'ai dit, va dans la chambre, j'ai une surprise pour toi. Eh ben, c'est vrai. Puis là, je suis rentrée, là, puis je dansais pour vrai, là. Ben non! Oui! Sur quel tune, mettons? Sur aucune tune? Mais non! J'avais pas mis de tune! Et voyons donc! Non, puis moi, je me trouvais, tu sais, comme quoi, quand tu te files, tu peux voir n'importe quoi. Puis le gars était comme. Ben, je sais pas, là, je pense que oui, mais. T'sais, moi, je pensais que c'était ça aussi. Ouais. Moi, j'entendais des fois, je n'ai jamais fait de striptease à mon chum. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, il va falloir que je m'y mette. La fois, c'est que tu voulais boire. Oui. Là, moi, je veux boire à cette question-là, là, je suis écœurée, là. Oh mon Dieu, j'en reviens pas, j'ai fait ça. Eh ben, c'est tellement drôle, là. Non, c'est malaisant. En tout cas, moi, je suis pas rendue là, honnêtement, c'est ça. Non. Mais moi, je danse tellement mal dans la vie, là. Moi, je danse bien, mais c'est. Hey, toi, tu danses pas, tu fais des TikTok de danse, tout, là. Ouais, mais. Moi, je. Non, on a tout de suite mes TikTok de danse. Ouais. J'en sais pas. Mais là, t'as-tu dit c'est pas terrible? Ouais, non, c'est dégueulasse. Non, mais perso, je me focus plus sur l'humour, mais j'aime ça quand même danser. Mais non, mais c'est ça. Mais regarde, un jour. Si un jour je fais un striptease, je vais t'appeler, je vais te dire, Claude, c'est pas. Écris. J'ai fait un striptease. Je suis rendue là. Le pire, c'est que je t'imagine tellement pas faire un striptease, tu sais. C'est ça, en fait, c'est que je me prendrais pas au sérieux. Tu sais, t'es pas genre. T'es pas la stripteuse du coin, là. Non. J'ai bien des qualités, mais je serais pas la stripteuse du coin en tabarnak. Ok, mon copain est musicien et quand il a des temps libres, il joue de la guitare. Mais comme tout le temps, et parfois j'ai envie d'une petite baisse vite, puis à chaque fois, ça prend minimum 30 minutes de lui faire marcher sa guitare. Puis à la fin, ben, je mets plus tard un nid, fait que lui, ça lui prend du temps pour se remettre dedans. Mais pourquoi il lâche pas sa guitare? Je comprends pas.
Ça m'a tellement. Non, mais je comprends qu'il est accro à sa guitare, mais à un moment donné. Moi, j'imaginerais pas comme être en train de jouer du piano. Puis là, mon chum vient de voir bien bandé. En plus, jouer du piano, t'es là, t'es juste comme... arrêté, là. Tu peux pas t'en rejoindre, tu sais. Oui. Puis là, même au pire, jouer de la guitare, tu sais, t'es de même. Fait qu'au pire, t'as juste à prendre la guitare, tu prends la fille, puis t'es de même aussi. Non? Oui, mais justement. Je suis quand même troublée. Je suis troublée. J'ai d'empathie en fait pour toi. Pas que sa guitare. Moi, je dirais, prends la guitare, brûle-la. Dis pas, genre, c'est pas chiant, n'aime pas ma guitare. Ben, tu peux faire la guitare après, mon bon chum de gars, là. Oh mon non. Dieu, c'est fou les musiciens, hein. C'est pas ça, c'est... Fait que t'as pas un musicien, toi. Non, c'est ça, le conseil. C'est fou les musiciens. Ah oui. Je suis en couple ouvert, c'est ma partner qui le voulait au début. Mm-hmm. J'étais pas full à l'aise avec ça, j'ai finalement accepté. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle kiss d'autres personnes ou qu'elle fait des trucs, ça me dérange. Et je sais que ces personnes catchent des feelings pour elle, sauf qu'elle m'aime moi. Et ça, j'en suis convaincue. Moi aussi, je l'aime énormément et je n'ai absolument pas envie de la perdre. Mais je sais que si on arrête le couple ouvert, elle se... Dans le fond, si on arrête le couple ouvert, elle se sentira étouffée et décidera probablement d'arrêter notre relation. C'est ça, elle demande conseil. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a tellement de monde dans la vie, puis je pense que l'important, c'est de respecter comment qu'on se sent, comment qu'on a envie d'être dans une relation, puis je sais que des fois, c'est facile à dire, puis que des fois, on aime des personnes sans trop savoir pourquoi, mais comme, au final, ça te rend pas heureux, tu sais, ça. Ça te fait plus de peine que du bien, cette relation-là. Tu sais, je comprends que tu l'aimes, puis ouais. Je comprends à 100%, mais il y a tellement d'autres personnes qui vont comme pas vouloir être en couple ouvert comme toi. Ouais, c'est ça, tu n'aurais même pas la question, ça va juste être naturel de comme, ben non, pas un couple ouvert, tu sais. Puis je pense que t'es pas obligé d'accepter. En fait, tu devrais pas accepter quelque chose juste par amour, tu sais. Ah, et non, tellement pas parce que dans la vie, tu devrais pas dépendre des autres pour avoir du bonheur. Mm-hmm. Faut que tu te crées ton propre bonheur. Puis est-ce qu'en ce moment, t'es heureuse à 100%? Probablement pas. Non. Parce qu'à chaque fois qu'elle embrasse ou à chaque fois qu'elle couche avec d'autres personnes, ça te fait de la peine. Puis je pense que cette peine-là, tu la mérites pas parce que c'est pas toi qui as voulu être là-dedans. Ouais. En fait, ça serait pas correct non plus de ta part d'y imposer. Totalement. Voilà. C'est ça. Parce que, final, c'est la même chose pour elle. Elle sera pas heureuse, t'sais. Fait que comme. T'sais, si elle a besoin d'être en couple ouvert, ben, faut qu'elle trouve quelqu'un qui accepte ça. Ouais. Pis qui se sente pas mal. Parce que pourquoi être dans un couple ouvert si ça te fait plus de peine? C'est tellement bien dit, oh my god, on est tellement des bons docteurs là. Pour vrai, il y a des fois qu'on est bonnes. Il y a des fois qu'on est bonnes. Ouais, il y a des fois là. Ben, oui, oui. Il y a des fois qu'on est bonnes. Non, ouais, c'est juste que des fois, je donne des conseils, mais je les applique pas. C'est ça le problème. Je suis vraiment bonne pour donner des conseils sur la confiance en moi, sur l'insécurité. J'ai normalement oublié ça, là. Il y a juste moi qui l'applique pas. J'aime encore mon ex. Ça fait un an qu'on n'est plus ensemble. On se voit quand même régulièrement. Je sais pas quoi faire. Mais... Bienvenue dans mon monde. Ben non, c'est ça, là. Mais est-ce qu'il t'aime encore? Parce que c'est tellement touchant. Non, mais si il s'aime encore, pourquoi ne pas être ensemble? Mm-hmm. Parce que dans la vie, on dirait, des fois, on se complique la vie pour rien. Oh my god, que. Si vous voyez encore votre ex. Oui, man. Si tu vois encore ton ex après un an que vous êtes laissé, crime, peut-être, justement, vous êtes fait pour être ensemble, ouais, je sais pas. Il y a bien quelque chose que j'ai réalisé récemment, c'est que je trouve qu'on se met beaucoup de pression avec l'autre personne avec qui on va être. On se dit, comme, ok, il faut que ça soit l'amour de ma vie, mais comme, tu sais, si t'es bien avec un gars, vous avez full genre du bon temps ensemble, même si ça durait 6 mois, genre, on s'en calisse, tu sais. Tellement pour vrai. Puis comme même si t'en viens avec ton ex, vous laissez une chance, puis finalement ça dure genre 3 mois, ben comme ça sera ça, tu sais. Faut pas écouter le monde qui dit on revient jamais avec un ex, là, blablabla. Ah, ben tellement pas. Hey, moi je connais plein d'ex qui sont venus ensemble, qui ont des enfants ensemble. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter d'écouter les autres, faut s'écouter soi. Je veux dire, si la relation est terminée, c'est qu'il y avait des choses dans la relation qui marchaient pas, mais je pense que justement en faisant la coupure, puis moi je l'ai vécu récemment, je pense que tu fais une grosse introspection, puis là tu vois justement qu'est-ce que toi tu faisais pas ou qu'est-ce que t'aurais pu apporter de plus. Puis je pense que des fois ça prend une coupure pour changer, juste pour évoluer, puis pour réaliser peut-être, tu sais, des fois c'est pas l'amour qui fait en sorte que t'es plus avec quelqu'un, tu sais, c'est juste ça vaudrait la peine de faire des efforts, tu sais. Ah oui, puis des fois tu sais c'est parce qu'il y en a qui se rendent pas compte que parfois leurs actes peuvent blesser l'autre personne. Mm-hmm. C'est juste quand ils perdent la personne qu'ils s'en rendent compte, puis c'est là qu'ils veulent changer ça parce que ils aiment la personne. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis, 100%. Correct. Ça serait ça, mon conseil. Ouais, fait que laissez-vous une chance, gang. Docteur, merci. Salut, j'ai un copain depuis 5 mois, j'avais des doutes, donc j'ai fouillé dans son téléphone. En parenthèse, c'est mal, je sais. Puis j'ai trouvé des conversations avec deux filles. Elle s'appelle Bébé, mon amour. Elle parle de sexe et tout ça. Quand je lui en parle, il nie. Il dit que c'est pas lui qui écrivait.
évidemment. Mec, il va bloquer les filles qui me dérangent. On passe tout notre temps ensemble, il est tellement cute avec moi et tout. Fait que je peux pas croire que c'est du fake, je sais pas quoi faire, je l'aime. Et là, ça fait 5 mois qu'ils sont ensemble, ouais. Pis le gars, il texte déjà d'autres filles. Mm-hmm. Bébé, mon amour. Non, ouais, ça c'est... Non. T'appelles pas n'importe qui, bébé. Ça, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il l'assume pas. Ah ouais, voilà. Genre... C'est au moins, il disait comme, ah ouais, t'as raison, j'ai fucking été wack, mais dans le fond, tu sais, je t'aime, pis comme, garde, je vais les bloquer ces filles-là. On décide ensemble ouais. De passer à autre chose, c'est correct. Mais là, le fait qu'il nie, qu'il dit que c'est quelqu'un d'autre, y'a personne qui a pris ton téléphone pour écrire à des filles bébés, là. Non. T'sais, voyons, c'est de la calice de merde. Ça n'a aucun sens, pis. Non. Pis s'il commence à te mentir là, bizarre. Il va te mentir sur quoi d'autre, maintenant. Pis honnêtement, c'est tellement important en relation d'être honnête. Ouais. Des fois, juste d'assumer ses erreurs, ouais, ça fait toutes des erreurs, là. Ça va juste faire en sorte que ta relation va mieux évoluer. Ouais. Juste être honnête, là, ça change tellement. Ou qu'elle va se terminer, mais à la limite, ouais. La vérité, c'est tout ce qui existe, c'est ce qui est vrai. Fait comme. Ouais. Mais c'est ça, bref, je pense que dans la vie, on va toujours gagner à être honnête. Ah, tellement. Puis en ouais. Plus, moi, si je peux te donner un conseil, j'ai tellement déjà été dans des relations où ce que je me faisais mentir depuis le début. Ah oui. Ça a vraiment détruit ma confiance en moi dans les relations. Ok. Puis c'est pour ça que je suis autant insécure en amour. Fait si tu peux t'en aller tout de suite, ciao bye. Parce que pour vrai, tu vas. Des fois, c'est juste des petits mensonges qui peuvent te faire beaucoup plus de mal que tu le penses. Oui, puis après ça, c'est que ça va avoir une répercussion sur tes autres relations. Ouais, fait que tu sais, fais juste attention et respecte-toi là-dedans, comme on a dit tout au long de cette vidéo. Oui, ouais. Le respect, la communication, l'honnêteté. Tellement. C'est toutes les affaires qui éteignent qu'on dit, mais c'est vrai. C'est fucking vrai. Vraiment. Toi, tu twerk bien, ok? Ah, je twerk même pas! Fuck you, man! Tu twerk en crise! Comment c'est pour la fin? T'as t'arrêtes pas de mettre ton cul sur TikTok, est-ce ok, là, je veux que tu m'apprennes à twerker pour la finale, qu'on fasse un petit twerk de fin. Que là, je porte des jeans. Dans le fond, là, il faut vraiment pas que tu sois gêné de comme... Parce que toi, tu te laisses pas aller, c'est ça? Je l'ai tué? Ouais! Le bruit! Fait que sur ce twerk incroyable, on dit au revoir. Il va y avoir une partie 2 sur la chaîne à Claudie. Oui! Allez, vous abonner puis aimez-nous. Bye!